Nous allons entamer la deuxième partie, donc une table ronde autour de Brassens en musique et dans la vie. Alors c'est voir comment Brassens résonne et aussi voir comment il est devenu, on peut dire, si universel et comment Brassens peut résonner d'ici jusqu'à l'autre bout du monde. Et pour cela, donc, à côté de moi, donc, Mirella Konena, qui est restée avec moi et avec nous, merci. Jean-Paul Liégeois, donc, spécialiste de Georges Brassens en tant qu'éditeur. Il dirige aux éditions du Cherche Midi une collection qui lui est dédiée, donc Brassens d'abord. Vous les connaissez, mais vous les avez entendus magnifiquement tout à l'heure nous interpréter des chansons de Brassens. Donc René Garlène, chanteuse à l'ancien cabaret, restaurant qui s'appelle qui s'appelait, je crois, ça s'appelle toujours le Port du Salut à Paris. Oui. Elle est passionnée par les répertoires français, mais aussi jazz et sud-américain. Je crois qu'on l'a entendu tout à l'heure, un peu bossa nova. Et donc avec le guitariste Rodolphe Raffali qui était là tout à l'heure, donc qui jouait de la guitare, elle a enregistré en 2018 un album consacré à Georges Brassens, un album qui rassemble 16 titres de Tonton Georges. Merci René. Et puis Martin Mabs, musicien, auteur, compositeur, mais aussi comédien, chanteur, directeur artistique, enfin vraiment un CV qui impose. Directeur artistique du collectif label Les Brûlants. Alors depuis 1998, Martin Mabs a signé des musiques pour le théâtre, le cinéma et la télévision et a dirigé plusieurs groupes de musique. Et pour cela, il a reçu plusieurs distinctions, notamment le prix Joseph Kosma et le prix du public du trophée donc Brassens en 2018. Merci donc à vous quatre. Et donc pour introduire peut-être les questions, je voudrais poser, parce que je m'entretenais tout à l'heure avec Jean-Paul Liégeois, sur Brassens et les autres poètes. Et je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Quels sont les rapports de Georges Brassens avec les autres poètes et surtout peut-être les poètes qui lui sont contemporains ? La poésie... Et la nourriture de Brassens, au même titre que la chanson, c'est-à-dire que dans sa toute petite enfance, dans son enfance, dans le début de son adolescence, il est nourri de chansons parce que, comme il l'a souvent raconté, chez lui, dans sa famille, tout le monde chante. Sa mère chante, son père chante, sa sœur chante, et ils écoutent les chansons à la radio. Et ils sont tous dingues de chansons. Mais Brassens fait une démarche particulière à partir d'un certain moment. Ça arrive un petit peu tard, c'est-à-dire ça arrive au moment où il n'est plus dans sa famille, où c'est un adolescent qui a 19 ans, qui a fait une petite bêtise avec des copains à 7 et que sa maman envoie chez sa sœur, rue d'Alésia à Paris. Comme il s'ennuie pas mal, il a travaillé quelques mois chez Renault. Il ne sait pas très bien quoi faire, il s'ennuie beaucoup et là il le fréquente, comme cela a été dit tout à l'heure par Mirella, il fréquente beaucoup la bibliothèque du 14e arrondissement et là il découvre les poètes et il devient ce qu'on appelle communément un rat de bibliothèque et il lit beaucoup, 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 beaucoup. C'est un autodidacte total. Ce goût de la poésie lui a quand même été donné. Mais il n'avait pas obligatoirement tous les livres à sa disposition à ce moment-là, au collège, par un de ses professeurs qui un jour est arrivé avec ce qu'on appellerait un phonographe et qui lui a fait écouter un texte de Baudelaire mis en musique par Duparc. Et là, il a été touché, bouleversé. Son goût de la poésie est né ce jour-là. Et ce professeur deviendra le premier qui écrira un livre sur Brassens quand Brassens commencera une carrière de chanteur. Donc la boucle est bouclée, on voit la façon dont sont reliées chez lui la poésie et la chanson, et les poètes vont devenir sa nourriture quotidienne dans la bibliothèque du 14e arrondissement. Il a dit, par exemple, c'est une expression marquante, il a dit qu'il avait passé 2 ans avec François Villon. Ça donne une idée de sa façon de tout lire à fond, d'un écrivain, d'un poète, quand il le découvrait.
Et il aura plus tard dans la vie la même attitude en offrant à ses proches, à ses amis, tous les livres de quelqu'un qu'il aimait passionnément, même des gens très peu connus, comme l'écrivain Charles-Louis Philippe. Il a offert Bubu de Montparnasse, par exemple, à tous ses proches, à tous ses copains, à tous les gens qui venaient, qu'il recevait chez lui. Il fonctionne comme ça. Et alors, il y a aussi les poètes qu'il a fréquentés de son vivant. Il a connu et vu... ils ne se sont pas vus très souvent, mais ils se sont quand même rencontrés, par exemple, Jacques Prévert. C'est-à-dire que sa curiosité, on a trouvé dans les archives de Prévert une carte postale, par exemple, de Lourdes. Il était en tournée à Lourdes. René Fallet, dont on parlait tout à l'heure aussi, l'avait rejoint. Et ils ont écrit une carte postale à Jacques Prévert. Et dans cette carte postale, Brassens dit qu'il est en train de relire Parole. Mais il a lu Parole pratiquement dès l'apparition. Pas immédiatement, alors que René Fallet, on a la preuve parce que le libraire notait les noms des acheteurs. Parole est sortie en 1949 et René Fallet est le 13e acheteur de Parole. Mais tout ça, ça se rejoint parce que les poètes, par exemple, alors il y a tout, donc ça va être Villon à Prévert. La première chanson qu'il fait à partir d'un poème, c'est « Il n'y a pas d'amour heureux » d'Aragon. Mais les poètes dans sa vie ont une importance, je pense, quotidienne. C'est-à-dire qu'il a toujours lu de la poésie avec tout ce panel qui fait qu'il a mis en musique des poètes très différents, que ce soit Lamartine, Victor Hugo. Mais il connaissait aussi, il lisait les poètes modernes. Il a beaucoup lu les surréalistes. Ça ne s'est pas traduit dans sa versification par des vers libres. Il n'en a pas souvent parlé. Mais quand on voit, par exemple, ça, c'est aussi mon travail d'éditeur de le faire savoir, on voit que Brassens n'a pas écrit que pour la chanson, qu'il a aussi écrit des poèmes dans sa jeunesse, lui-même, qu'il a écrit des romans. On voit, par exemple, dans son premier roman, qui a un beau titre poétique, qui s'appelle « La lune écoute aux portes », on voit, par exemple, qu'il est totalement inspiré par tout ce qu'il a assimilé du surréalisme, puisque, je ne vais pas vous raconter le roman, je vous laisse le découvrir, si vous ne le connaissez pas, mais il y a au milieu... de ce roman court, il y a quelque chose d'improbable. Il y a dans un bâtiment, dans une maison, il y a un escalier qui monte, mais on ne sait pas où il monte. Voilà, il a été quand même... On retrouve aussi le surréalisme dans l'humour de Brassens. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement lu les poètes surréalistes, il a aussi pris l'esprit, cet esprit de marge, cet esprit frondeur, cet esprit d'insolence. Elle est dans son humour. Je peux vous donner un ou deux textes de ses réflexions qu'on retrouve dans autre chose que j'ai édité aussi, qui n'était pas connu. On ne savait probablement pas que ça existait. Il a tenu à plusieurs reprises un journal. Bon, il y a des phrases, des formules qui tombent dans son journal, comme ça. Et il dit, par exemple, « Ma vie privée ne regarde personne, même pas moi. Les cons n'ont pas d'adresse, ils habitent partout. » Bon, ce qu'on retrouve dans sa réflexion, dans sa façon de penser, de regarder le monde, de regarder les autres, on trouve à la fois de la poésie, de la férocité, et puis cet esprit assez libre qui peut-être est né aussi avant même qu'il découvre les surréalistes dans la poésie d'Apollinaire qu'il aimait aussi, même s'il n'a jamais mis Apollinaire en musique. Merci. Alors peut-être une question alors aussi aux musiciens, mais à vous, on a parlé des poètes, mais Brassens, c'est de la musique aussi. Alors quelles sont les relations qu'il entretenait avec les autres musiciens, ses musiciens à lui, et puis les autres grands musiciens qui faisaient aussi partie du paysage de la musique de son époque. Honnêtement, j'ai pas étudié le sujet, savoir exactement quel lui a été son propre parcours. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que
Il y a un bouquin, bon, je fais un petit coq à l'âne, mais il y a un bouquin sur Reser où je voyais que je crois que c'est Franquin qui disait de Reser que tout est dans son œuvre, enfin qu'une œuvre réussie en tous les cas, l'être est tout entier dans l'œuvre. Et il me semble que Brassens y a un peu de ça, c'est-à-dire que j'ai pour comprendre les influences de Brassens et pour comprendre sa richesse musicale, j'ai pas besoin de faire un travail d'historien, j'ai qu'à ouvrir mes oreilles et écouter son œuvre. Donc c'est ce que moi je fais, c'est mon métier. J'ai pas fouillé la vie de Brassens assez. Jean-Paul serait meilleur que moi certainement pour dire tout ça, mais c'est sûr qu'il y a une nourriture harmonique qui est fabuleuse. Hein. C'est incroyable, Brassens, il est toujours surprenant. Enfin, là, il m'a encore surpris tout à l'heure. Là, c'est Rodolphe qui m'a dit, mais tu mets quoi comme accord là? Mais non, mais là, il m'a un diminué. Et puis, maintenant que j'ai un peu étudié la musique quand même, je me dis, mais pourquoi il met ça là? Il n'y en a pas des fois la réponse tout de suite, mais force est de constater que c'est super. Donc quand même, il a à la fois étudié la musique, mais on ne voit pas que du jazz là-dedans. Il y a du contrepoint, il y a l'histoire des troubadours là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la musique et qu'on entend. Voilà. Donc après, la relation qu'il a, et puis son placement rythmique, vocal, me laisse entendre que c'est quelqu'un qui connaît bien le jazz. Son placement rythmique, il est extrêmement derrière le temps. Là, c'est un chef d'orchestre d'Amsterdam qui s'appelle Rudolf Plater, avec qui j'ai travaillé, qui me disait les cuivres, comme le chant, faut jamais essayer de tirer une machine. Si tu as le sentiment que le tempo est trop lent, ça sert à rien de le pousser. Si tu veux qu'on ait le sentiment que la musique avance, alors un chanteur, comme un cuivre, il doit être légèrement derrière, il doit s'asseoir. Et c'est le rôle d'une section rythmique de faire avancer la machine. C'est pas celui qui est entre guillemets à la proue qui va tirer le bateau. Et voilà. Donc j'entends encore tout à l'heure dans les extraits, je suis tout le temps fasciné par le placement rythmique de la voix de Brassens, mais tout le temps. Je suis tout le temps stupéfait de voir que on a le sentiment qu'il met en danger le rythme en permanence et qu'il le met jamais en danger. J'entends que du coup, j'entends qu'il a écouté du jazz, j'entends qu'il a eu des relations, j'entends dans sa musique, mais je connais pas précisément. Il explique un jour qu'il chantait comme un chanteur de blues. Mmh. Ah, mais peut-être. Voilà. D'ailleurs, le jazz, mais un grand guitariste aussi qui a inventé un style, c'est João Gilberto, qui a aussi un placement vocal tout à fait impressionnant. Donc, il faudrait avoir des analogies entre João Gilberto et Brassens. Je ne sais pas ce que dirait l'enfant. Ça pourrait, oui. C'est possible, oui. En tous les cas, c'est le sentiment que le mot se détache. Quand je dis qu'il met en danger le tempo, c'est qu'il... On prend tout le temps un risque, à force d'être derrière, de devoir courir après pour rattraper. Et on a le sentiment qu'il ne court pas pour le rattraper. Mais on goûte bien le texte. Et si on goûte bien le texte, on prend un peu plus de temps qu'il faut pour faire juste une note. Et il faut... on goûte un peu la syllabe et forcément, on étire un peu. On tire un peu en... Et ouais, non, moi, ça fait partie des leçons... Jao Gilberto, alors que je me trompe pas, c'est celui qui chante par exemple C'est vos vices, bien des affinements. Il prend des risques considérables. Il prend des risques considérables, une technique de guitare impressionnante. Et il change tout le temps, c'est jamais la même version, quoi. C'est incroyable. Tout à fait, c'est vrai qu'en tous les cas, il a une signature aussi pareille de placement très fort. Ouais. Alors c'est peut-être dû au fait qu'il s'accompagne à la guitare, peut-être que les chanteurs comme ça qui s'accompagnent seuls à la guitare. Il travaille une technique vocale particulière, puisqu'il maîtrise en même temps leur accompagnement par la guitare et le chant peut se caler autour. Et puis Brassens, il a dévoilé quand même quelques relations musicales avec l'élégie en Radcave ou quelques morceaux comme ça où on a un petit orchestre et où il nous dévoile quelques-uns de son entourage qu'il aime bien. Quoi, voilà. Vous voulez réagir, Mirella, sur cela? Non, sur la musique, non. C'est plus les textes. Voilà. Moi, c'est plus les textes. Sur la musique, n'étant pas musicienne, ne jouant pas d'un instrument, je ne peux pas participer à cette discussion. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'on prend conscience de ce placement de la voix de Brassens au moment où on essaye de chanter ses chansons. Ça paraît
tellement simple et tout le monde vous dit ouais, Brassens, c'est toujours la même chose. Pom, 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 pom. Sauf que quand on se penche sur, dessus, c'est. Moi, croyez-moi, j'ai travaillé récemment le Grand Pan. Ça restera pas une expérience traumatique, mais je. Voilà, quand même. C'est... Il faut essayer de chanter Brassens pour s'en rendre compte. Voilà. Oui, moi, il y a un écart. J'avais bossé, donc c'est le pluriel, où quand même le refrain, c'est « Le pluriel ne vaut rien à l'homme et si tout con, si tout con. » Je l'ai pris trop bas pour moi. Des écarts comme ça, mais ouais. C'est un écart de douzième, c'est plus qu'un octave. Mais qui fait ça, quoi? Il est fou. est-ce qu'il le fait lui-même, d'ailleurs, vraiment, précisément? Ah oui, non, ouais. Si, il le fait. Et puis en plus, il chante très juste. Hein. Mm. Ouais, non, c'est redoutable. Hein. Pour lui, quelqu'un qui ne voulait pas chanter sur scène, tout ça, il chante vraiment super bien. Et puis en plus, on entend, là tout à l'heure, je l'ai entendu parce que c'était diffusé assez fort, on entend qu'en plus, il les tient, les notes, mais... Mm. Elles sont loin derrière quand il fait des tenues, il donne une note. Généralement, on ne le connaît pas pour le bel canto, pour le vibrato, mais en fait, il fait des fois des tenues comme ça. Il faut quand même une colonne d'air sérieuse derrière et tout ça. Ouais. Oui, quand on interviewait Brassens sur une question de hiérarchie, par exemple, on lui demandait souvent qu'est-ce qui était primordial. À quoi la préséance, aux paroles ou à la musique? Il répondait toujours de façon très compliquée parce que je pense qu'il voulait préserver absolument les deux. Il était d'ailleurs furieux quand on ne prenait pas en considération ses mélodies, sa musique. Il disait d'ailleurs que ceux qui ne l'écoutaient pas, qui n'écoutaient que le pom-pom-pom, avaient des oreilles de lavabo. Et... ce que tu viens de dire, Martin, je pense que c'est la solution vocale d'interprétation qu'il a trouvée pour donner sa place et au texte et à la musique. Ah non, mais il se trouve que celui-là, il fait partie... c'est une des plus étranges, je trouve qu'elle a un côté jazz contemporain dans l'écriture qui est particulièrement fascinante, cette chanson, le pluriel. Ouais. Non, je sais pas. Non, c'est bon. c'est tout ce que je peux mettre comme commentaire là-dessus. Alors, dans l'effet Brassens, il y a peut-être la question du pourquoi. Pourquoi il y a un effet Brassens? Alors, pourquoi finalement il y a une universalité dans ces chansons? Je sais pas pour. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une universalité? Je réfléchis depuis longtemps et je. Au début, je disais, c'est les bons sentiments, l'amitié, la liberté surtout. N'oublions pas cette liberté qui est très importante chez Brassens. Il la décline vraiment à tous les niveaux. Si on dit le lendemain d'un mariage, c'est la liberté au niveau personnel, c'est la liberté de la musique et des textes qui sont repris d'une manière si personnelle. C'est la liberté dans tous les sens. D'ailleurs, très souvent, on parle de Brassens et de la liberté. Et c'est ces sentiments que tout le monde retrouve, et qu'on veut recréer dans différents endroits, parce que vraiment, le fait de recréer de Osaka à Palerme, reprendre dans des dialectes en plus, parce qu'en dialecte, on exprime avec plus de facilité des choses qu'on ne dirait pas en langue vivante, en langue vernaculaire. Donc, c'est ce fait de réexprimer facilement ses sentiments et aussi le fait qu'il y a ce côté intemporel. Parce que comme il déplace des choses qui se passaient aussi de son temps, qu'il observait, de sa mansarde, il observait. Donc, il y a des références historiques et à l'histoire contemporaine, à la chronique presque du Paris qu'il observait. Mais il le déplace du point de vue littéraire, du point de vue historique. Donc, il les déplace dans ces histoires qui sont toujours valables. Alors, si elles sont toujours valables, on peut les reprendre ailleurs.
C'est ça, c'est un phénomène important. Après, ce fait du message, qu'il ne voulait pas donner de message, quand on lui disait, on lui demandait pourquoi, quelle était sa position, il ne disait pas, il répondait un peu à côté. Donc, il y a plein de citations célèbres en ce sens, mais il a su parler à tout le monde. C'est ça la chose qu'on ne peut pas nier. Et donc, et tout cela est dans son œuvre. D'ailleurs, je dis, c'est vraiment l'enjeu de tout ce qui se passe, tous ces événements, ces manifestations de centenaire, de mettre au premier plan l'œuvre de Brassens, parce qu'on a plus observé le chanteur, on l'a étudié, on l'a pris en considération, mais c'est l'œuvre qui reste encore à découvrir. Vraiment, comme disait Martin, on réécoute et on retrouve autre chose. C'est la même chose pour les textes poétiques et dans les chansons, dans leur ensemble aussi. Donc, il y a encore beaucoup de choses à retrouver chez Brassens. Et même, il y a des chansons qui deviennent très modernes. D'un seul coup, deviennent très modernes. Pensons par exemple à La Visite. Donc La Visite et la migration, c'est une chanson qui provoque encore des réactions. Je l'ai vu, ça m'est arrivé de faire écouter ces chansons et d'avoir des réactions différentes des gens qui étaient pour accueillir les migrants ou ceux qui refusaient. Et donc d'avoir des réactions violentes comme on avait eu au temps du temps de Brassens pour d'autres situations. Donc c'est quelque chose qui est encore très, très fort et qui peut encore parler aux gens, heureusement. Universalité donc chez Brassens. Alors moi, en termes d'effet Brassens, alors je ne sais pas si c'est universel parce qu'on parle de sa propre expérience. C'est une forme d'universalité quand même. C'est que Brassens a agi chez moi, en tous les cas, comme des mantras, quoi. Il y a eu des phrases, des fois, je me suis retrouvé dans certaines difficultés de l'existence, des impasses, soit amoureuses, soit existentielles, soit la vie, la mort, voilà. Et pouf, une chanson qui vient, ou un vers qui vient un peu devant mon esprit, comme ça. Et je pense que ça, c'est vraiment un effet Brassens. Enfin, il y a un truc comme ça, de l'ordre de la sagesse, hein. Faut pas le... Voilà, c'est de cet ordre-là. Et où, de temps en temps aussi, quelque chose qui vient devant vous et il nous épingle. Donc, moi, là, j'avais pris un peu comme thème, parce que Mirala m'avait dit quel axe tu aimerais aborder, j'ai mis Brassens et les braves gens, parce que je trouvais que son rapport aux... les braves gens, c'est pas sympa, hein, dans la bouche de Brassens, souvent. Hein. C'est les passants honnêtes, mais qui regardent d'un air oblique, et sinon, quand même, c'est dans l'Auvergnat... les gens bien intentionnés, quoi, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et il y a un côté comme ça, il épingle, mais tout en étant très, très tendre quand même avec l'humain. C'est-à-dire qu'il accepte quand même très bien que les gens soient moutonniers, et nous-mêmes, quand on se retrouve dans une situation d'être un de ces braves gens, il n'est pas méchant avec nous, il nous aide. Ça nous aide à tout d'un coup à se dire « Ah ben oui, mais il nous aime quand même ben, !» Il nous aime quand même si on a un peu des moutons, ça va, on a quand même une sortie. Donc c'est pour, en ce sens-là, je trouve qu'il y a une forme d'universalité, c'est qu'on peut se l'approprier, quand bien même on serait peut-être son ennemi intellectuel, j'en sais rien, il peut y de temps en temps animer des débats, dire « moi, je ne suis pas pour ça ». Hein. Il a cette tendance d'universalité, par le biais de l'amour quand même, de dire « ben, ouais, et le respect de l'autre bon, ». En les épinglant, hein, en voyant bien que quand même, il a quelques critiques à leur faire. Et celle que j'ai faite tout à l'heure, c'est bon, on voit bien, pourtant, c'est un poème de Richepin. On retrouve ça chez les croquants qui sont toujours étonnés. Voilà, ils sont là, ça, dans le mariage, quand ils voient le mariage de ses parents, les gens nous couvaient d'un œil protubérant. Voilà, c'est ces braves gens qui sont là. Qui sont toujours étonnés de voir des gens libres, qui sont toujours étonnés de... Mais ils sont pas méchants et ils les invitent quand même à... Ils les invitent par des petites fables, par des petites histoires, et c'est présent, c'est quasiment omniprésent. Hein. Voilà. C'est la dimension humaniste, en fait, ouais, de Brassens, hein, qui crée cette université. Et d'aller les chercher, de leur raconter une petite histoire
pour leur donner un petit point de vue un peu différent de leur vie et de les faire un peu bouger là-dessus. Ouais. Donc ça agit quelque part, ça infuse dans votre vie de travailler, de chanter Brassens. Ça doit. Comme dit Martin, quand on apprend les textes par cœur, fatalement il y a des phrases qui traînent à tout moment. Et c'est effectivement un guide. Et c'est un guide qui s'adresse à tellement de gens. En fait, on passe de. Un auteur qui est capable de décrire la ronde des jurons et Saturne et tout ce qu'il y a entre, il s'adresse fatalement à énormément de gens, en fait. Il touche des choses à la fois très sensibles, féminines, et des choses, testostéronées. Que je ne préfère pas aborder quand je reprends ces chansons. Mais... Puis là, je me risque un petit peu, là, ici, au patronage laïque, pour dire qu'il a, il a tenté de marcher un peu sur les plates-bandes du curé. non, mais c'est-à-dire que, en prenant la vie, la mort, l'amour, les femmes, la vie d'un humain dans ses difficultés, et de raconter tout ça, et de parler justement en disant, mais non, mais. Sans religiosité, sans religion, je m'empare quand même des sujets qui normalement ne sont pas les sujets des saltimbanques. Enfin, ou alors un peu où on garde l'amour hein, pour l'histoire amoureuse. Oui, mais ce sont les sujets des poètes, il les revendiquait, il disait qu'il y en avait 4 ou 5. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'aussi, son universalité, c'est aussi qu'il embrasse des thèmes qui sont notre condition humaine. Voilà, ouais. Bien sûr, il élude pas Dieu, il en parle. Donc, il élude pas, justement, la question de Dieu. Tout à fait. Ah non, il élude pas, bien sûr. Ouais. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. Oui, et sur l'universalité, il y a une remarque. Un journaliste qui lui reprochait de ne pas prendre les faits d'actualité dans ses chansons. À propos du Larzac, le journaliste lui disait « Voilà, vous vous êtes pas exprimé sur le Larzac. » Il lui a dit « Bah, écoutez, pauvre Martin. » Donc, en fait, il traite les sujets, mais de façon... Il n'y a pas une actualité, il n'y a pas un fait précis. Il y a juste une nature humaine. Quoi. C'est des tableaux, en fait. Oui, il y a un mot qu'il revendiquait. Il disait qu'il les traitait. Il traitait tous les sujets et tous les événements dans toutes ses chansons comme le ferait un contrebandier. J'ai une phrase de lui, là, qui corrobore aussi ce que disait tout à l'heure Mirella, en disant qu'il n'essayait pas de convaincre, d'asséner quelque chose. Il a aussi dit, c'est dans une interview aussi, « Si je tentais de démontrer quoi que ce soit, j'échouerais lamentablement. J'aime me mouvoir dans le merveilleux, l'enfantin apparent, créer des images qui cachent des valeurs de contrebande. » Et tout Brassens, c'est dans la contrebande, dans toutes ses chansons. Valeur de contrebande, oui. Et je disais, on peut penser à... On dit c'est intemporel, c'est toujours éloigné dans le temps et dans l'espace. Et après, ça redevient, à l'improviste, ça devient très actuel. Pensons au confinement. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont redécouvert Brassens pendant le confinement. Ah bon ? Beaucoup. Donc, ils ont dit, ça m'a aidé, j'ai retrouvé Brassens. Et même, il y a ce jeu de parodies. Il y a énormément de chansons, de parodies de chansons de Brassens qui se réfèrent au problème du virus. Donc, il y a eu Garo Covid, il y en a eu plein de parodies. Et la parodie est la chanson du jour, comme le plat du jour. Et donc, on s'est rapporté à Brassens pour exprimer ce point de vue sur la pandémie. C'est intéressant. Pourquoi se sont tous référés à Brassens? Il y en a énormément. J'en ai étudié au moins une vingtaine de parodies de chansons de Brassens. Il y a Sans public, parce que quand les théâtres étaient fermés, sur la musique des bancs publics. Donc, on n'a pas pris d'autres chanteurs, on a pris Brassens. C'est quand même une référence qui surgit de plusieurs occasions. On discutait tout à l'heure, Jean-Paul Liégeois et moi, par rapport à comment on peut comprendre l'effet Brassens si on ne comprend pas peut-être l'enfance, l'adolescence de Brassens. Peut-être les clés sont dans son jeune temps, en fait, avant qu'il soit reconnu, en tout cas après la trentaine. Oui, c'est-à-dire, je pense qu'il faut remonter
comme chez, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, chez beaucoup d'artistes ou d'écrivains, il faut remonter à la source. L'effet Brassens, c'est Brassens qui le provoque. Mais pour comprendre Brassens, il faut remonter à ce qui a fondé Brassens. Et ça, c'est très peu souvent évoqué, même dans les biographies. C'est-à-dire qu'on n'explique pas que le chanteur Brassens, ce n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel ou qui est tombé dans le cabaret de Patachou en janvier 1952. C'est le résultat d'un long processus et qui n'est pas le processus de quelqu'un qui se destinait à la chanson. Ça, il faut le savoir et c'est essentiel. C'est-à-dire que Brassens arrive chez Patachou, qui lui dit, bon, je résume, hein, ils se sont parlé plus longtemps que ça, ils se sont revus le lendemain. Elle lui dit, je vais vous prendre deux, trois chansons, mais les autres, c'est vous qui allez les chanter. Brassens ne se destinait absolument pas à une carrière de chanteur, c'est-à-dire d'homme de scène et d'interprète. Brassens se destinait à une très jeune, dans son enfance, même s'il était nourri de chansons, il aimait les chansons, il a commencé à en écrire quelques-unes qui n'étaient pas très réussies, puis à partir de 15 ans, il s'y est mis sérieusement. Donc, il a toujours écrit des chansons. Mais en parallèle, il a fait un travail très, très ambitieux qu'il a nourri à travers ses lectures, qu'il a nourri délibérément, volontairement, et qui a donné quoi ? Un objectif très précis. Et ça portait un nom chez lui. Il voulait être homme de lettres. Il ne voulait pas du tout être chanteur. Et c'est en 1947, alors qu'il était dans la misère depuis des années, c'est en 1947 qu'il écrit, au moment où il se trouve correcteur et puis un peu chroniqueur clandestin dans le journal de Libertaire de la Fédération anarchiste. C'est la seule période de sa vie où il a vraiment été un militant, parce qu'il ne s'est jamais vraiment défini comme anarchiste, il s'est plutôt défini comme libertaire. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit à un de ses amis qui collabore aussi au Libertaire et qui habite à Lyon. Il lui écrit qu'il a décidé d'essayer de vivre de la chanson. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il explique pourquoi, à un moment donné, il s'est rendu compte que l'homme de lettres qu'il voulait être n'avait pas réussi dans ce qu'il avait fait paraître, c'est-à-dire qu'il a fait, paraître à compte d'auteur des recueils de poèmes, un recueil de poèmes à l'avant-vol en 1942. Il a fait paraître aussi, au moment justement où il est au Libertaire, il a imprimé clandestinement sur les presses du Libertaire son premier roman, que je citais tout à l'heure, La lune écoute aux portes. Mais il réalise qu'il n'est pas à la hauteur des écrivains, des gens de lettres, homme de lettres dont il s'est nourri. Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'essayer de vivre de la chanson, mais pas en tant qu'interprète, en tant qu'auteur. Et à partir de ce moment-là, grâce à quelqu'un qu'il rencontre aussi à ce moment-là dans le milieu libertaire, qui est le chansonnier Jacques Grélot, Jacques Grélot lui offre une guitare. Et comme Jacques Grélot est un chansonnier, il passe dans les cabarets de Paris et il entraîne Brassens aussi souvent que possible dans ses cabarets, pour qu'à la fin des spectacles, comme ça se passera avec Patachou, chez Patachou en 1952, que Brassens fasse écouter ses chansons en espérant qu'elles intéresseront et qu'il trouvera des interprètes. Voilà la démarche de Brassens. Et cette démarche est essentielle, mais elle dure très longtemps. Il commence à écrire ses poèmes très tôt, même s'il les publie seulement en 1942. Il a 30 ans quand il arrive chez Patachou. C'est-à-dire que Brassens s'est, comme autodidacte, offert, je le mets entre guillemets, c'est un très long travail, s'est offert des années d'apprentissage, d'écriture et en même temps, en parallèle, d'écoute de la musique. Là aussi, il l'a travaillé. C'est un autodidacte qui a beaucoup travaillé et le Brassens, auteur, compositeur, interprète que nous connaissons, qui a fait un drôle d'effet, effectivement, Mirella le disait, sur Patachou, c'est le résultat de toutes ces années de travail, de toutes ces années d'apprentissage, de toutes ces longues années, et qui n'était pas destiné à faire ça. Je crois c'est-à-dire que, par exemple, j'ai publié un livre entier de chansons qu'il a déposées à la SACEM. Il a passé le concours d'entrée à la SACEM en tant que parolier en 1942, et à partir de là, il a déposé des chansons. Et il en avait posé avant de partir au STO en 1943, en revenant jusqu'en 1949. Il en a déposé beaucoup, au total 70. Sur ces 70, il en reste 3, dont vous en avez écouté une qu'il a chantée lui-même.
c'est Papa Maman. C'est une des trois qu'il a chanté. Ça veut dire qu'il a écrit, par exemple, même quand il s'est mis à écrire de la chanson, il en a écrit 70 dont il est, qui font partie de la période d'apprentissage, qui sont une sorte d'exercice dont il n'était pas content. Et ce sont d'autres chansons qu'il livre à Patachou sur un cahier qu'il a avec lui le jour où il est chez Patachou. Il l'expliquait lui-même, ces chansons, ce cahier, ça va lui permettre de faire ses trois premiers albums. Donc, vous voyez, le Brassens qu'on découvre, le Brassens qu'on aime, le Brassens qu'on connaît, le Brassens que découvre ébahi Patachou en 52, c'est le résultat d'une douzaine d'années d'un travail colossal. Brassens est un travailleur, il continuera toute sa vie, il se mettra pendant des mois à préparer les chansons de son prochain Bobino, de son prochain album. Et je pense que c'est toute cette période d'apprentissage, toute cette nourriture, tout ce qu'il a à la fois tenté lui-même, à partir de tout ce qu'il a intégré, de tout ce qu'il a lu, de tout ce qu'il a absorbé, c'est tout ça qui fait qu'il est capable d'être universel quand il arrive. Et c'est une explosion immédiate puisqu'il a du succès dès la tournée de l'été 1952. Il est universel parce que cet homme est devenu encyclopédique, mais sur le terrain d'un travail d'autodidacte. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait fait 20 ans d'université. Et ça, il faut savoir que c'est parce que le résultat d'un moment où un créateur rencontre un public rencontre cet effet extraordinaire où d'autres gens se reconnaissent, où il y a une identification. C'est toujours le résultat d'un long travail qu'on ignore, qu'on ne cite jamais, auquel on ne fait pas référence. Ceux qui font sur le génie ou sur le coin de table, sur le prétendu génie ou le coin de table, ils n'ont pas les moyens d'être universels. Ils n'ont pas les moyens d'avoir cette reconnaissance au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on se reconnaît en eux. Ou alors, c'est que ce n'est pas leur premier coin de table. Voilà. Oui, il y a une évidence, on va dire, qui fait l'universalité, qui force l'universalité, c'est l'évidence. Voilà. Et dès 52, en effet, je pense que tout le monde a été frappé par cette évidence, en tout cas cet effet Brassens. Je voulais aussi poser des questions aux musiciens sur, dans votre pratique artistique, qu'est-ce que Brassens peut influencer dans tous les jours ou dans ce que vous faites par ailleurs? Si tu as une réponse, vas-y. ça change beaucoup de choses, mais je suis pas sûr que ça change plus parce que je suis musicien que pour quelqu'un d'autre. Moi, ça a nourri. Je m'étais donné quelques exercices de style. Je peux vous dire que c'est difficile parce que pour écrire de la chanson, pareil, je me suis mis à l'école donne-toi des exercices de copiste ou de il faut bien imiter pour apprendre. Donc je m'étais donné un exercice d'écriture sur un morceau où j'essayais de mettre des césures comme Brassens, ça c'est très compliqué. C'est-à-dire que les rimes doivent coller, taper un peu dans des milieux de mots et que ça fasse au passage voilà des doubles sens ou des choses comme ça. C'est sacrément compliqué, ça devient. Mais le problème de l'accent tonique en italien. Et par exemple, oui, c'est l'accent tonique ou quoi. Mais c'est vrai que c'est bon à force. Il y en a qui aiment bien faire des sudoku, faire des chansons. Des fois, c'est vraiment un petit travail comme ça, un petit casse-tête qui est intéressant parce qu'on se dit ah mais il y a telle rime, il y a tel truc, il y a tel machin et truc. Et c'est quoi finalement qu'elle raconte cette chanson? Des fois, on le découvre en écrivant. Hein. C'est quoi? Et d'ailleurs, voilà. Donc moi, je suis admiratif des fois de l'œuvre de Brassens et je sais que de temps en temps, il a eu une image clé qui a nourri toute sa chanson. Donc là-dessus, comme beaucoup de maîtres, forcément, il habite l'écriture pendant un temps, en tous les cas, assez long. Après, moi, j'ai d'autres influences assez marquées qui font que ce que je fais ne ressemble pas forcément au cas du Brassens. Mais il y en a certaines où on peut se dire « Ah, quand même, il y a une filiation, sans doute ». Et sinon, sur le changement dans la vie, c'est que là, j'ai une... Ma plus grande fille, mais qui a 6 ans, donc elle n'est pas bien grande, elle aime beaucoup l'auvergnat depuis qu'on l'a, mais on ne l'a pas forcé, quoi, je veux dire. Hein. Elle aime beaucoup la chanter. Et là, elle a une playlist sur Internet, sur une plateforme d'écoute. Et il y a l'auvergnat sur sa playlist, quoi. Et c'est elle qui choisit les morceaux, quoi. Et moi, je trouve que... Je me dis, c'est...
ni je veux pousser le goût, je veux pas forger un goût chez un enfant. Et je me dis, bon, ben, c'est que ça plaît encore, en fait. C'est que quand on le met... Pour moi, il y a une image un peu du feu de bois. Ben, quand on écoute Brassens, il y a un effet assez unique avec la voix, la guitare, la contrebasse. C'est peut-être mon histoire aussi, parce que ça me plonge dans mon enfance ou j'en sais rien. Peut-être une tétine. Mais il y a un côté comme ça où j'ai l'impression qu'on se réchauffe et qu'on le connaît. J'ai une familiarité avec Brassens que j'ai pas beaucoup avec d'autres chanteurs ou... Je me permets de parler de lui comme si j'ai le droit de rigoler de lui, j'ai le droit d'en parler comme si c'était quelqu'un de la famille alors que je suis là. Non mais attends, enfin, je le connais pas quand même. C'est l'effet copain. Oui, il y a l'effet copain avec Brassens. Donc ça, je pense que ça se retransmet dans mes relations amicales. Donc c'est pas parce que je suis musicien. Je pense que c'est vrai aussi pour tous ceux qui aiment Brassens. Se disent un peu, bah, on est dépositaire de ces valeurs de l'amitié, de ceci, de cela, machin, là, et puis quelque part, on essaye de faire vivre cette pensée-là dans nos propres vies. Et en musique, c'est d'autant plus évident qu'on a une bonne raison de se rencontrer, qui est pour jouer de la musique. Donc, on n'est pas là pour... Il y a des fois des évidences, on a quelque chose en commun à faire. Et ça, ça crée des liens indéfectibles, quoi. Enfin, en tous les cas, j'ai eu un groupe de rock qui m'a marqué, avec qui maintenant c'est plus que des amis. Enfin, c'est des vrais amis entre guillemets. C'est des gens. En disant ça, j'ai le sentiment aussi que le poète, c'est un travail un peu solitaire. Hein, d'être un poète, c'est un peu comme un philosophe. C'est un travail très solitaire. Alors que musicien, il y a l'esprit copain. On est à plusieurs. Est-ce que ça joue quelque part aussi ça? Ben, moi, c'est ce que j'ai découvert, ça a été l'effet Brassens sur moi, c'est que, bon, mon vrai prénom, c'est Hélène, donc quand j'étais petite, bien sûr, j'ai eu le droit à mon disque Brassens pour les enfants, avec les sabots d'Hélène, et ça m'a quand et même, Hélène et Martin. Par la ouais, suite... Moi, Martin. Ma sœur s'appelle Jeanne, bonjour. Ça m'a par la suite tenu un peu à l'écart de Brassens. J'avoue que j'avais un peu fait une saturation. Et quand Rodolphe, en 2017, m'a proposé de faire un album Brassens, ma première réaction, ça a été non, j'ai pas envie. Moi, je préfère faire Barbara. Et puis, en cherchant, parce que du coup, je me suis plongée dans la Bible, là, et j'ai découvert tellement de choses que j'ignorais. Et que j'ai eu un plaisir immense à chanter. Donc toujours de détecter dans le texte qui va parler à ma nature féminine ou humaniste. Voilà, je pense que ça a été mes deux axes principaux. Et par exemple, pour Saturne, Saturne, évidemment, c'est un homme qui s'adresse à une femme. Et je me suis dit, bon... Je m'adresse pas à une femme, mais je me suis dit comment je peux aborder cette chanson pour vraiment la ressentir là, au creux de moi. Et j'avais adressé cette chanson à un couple de femmes lesbiennes, et ça m'a parlé tout de suite, quoi. Et quand j'entends les gens dire que Brassens était misogyne, je dis mais vous avez pas écouté ces textes, quoi. C'est pas possible. Brassens, et c'est ce que j'aime dans lui, c'est pas il y a des cons, il y a des connes, voilà, c'est également réparti, et il n'y a pas de critique ciblée, quoi. Il y a pas un sexe, donc voilà, fréquenter l'œuvre de Brassens, ça a été vraiment prendre conscience de cette humanité. Et par la suite, et là, je tire mon chapeau à tous les gens qui travaillent pour la mémoire de son œuvre. J'ai découvert un réseau d'associations, de festivals extraordinaires. Il est là, l'effet. Voilà. Il y a des petites querelles de chapelle, mais je pense que Brassens aussi, je veux dire, c'était pas un ange. Il s'est pris la tête avec des gens, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je tire mon chapeau à tous ces gens qui arrivent, donc du coup, à faire jouer des musiciens, vraiment de l'amateur au plus chevronné des musiciens. Oui, mais chanter en tant que femme, ta petite variante dans l'eau de la Clairefontaine, tu veux la commenter? Alors ça, c'est ma coquetterie, parce que voilà, il fallait que je me retrouve dans ces chansons, et j'adore dans l'eau de la Clairefontaine, déjà parce que j'adore me baigner dans l'eau fraîche.
Et donc, c'est idiot, hein. J'avais envie de la mettre à la première personne et je me suis rendu compte que c'était pas très, très compliqué à faire et ça demandait pas vraiment un... L'adaptation. Ouais, trop compliqué. D'ailleurs, j'en ai trouvé une autre sur YouTube. J'ai trouvé une autre chanteuse qui s'appelle Violaine, qui a repris également dans l'eau de la Clairefontaine avec une adaptation des paroles, qui n'est pas la même. Voilà, chacune a sa version. Et voilà, chanter Brassens en tant que femme, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, c'est ce que j'aime, c'est sa douceur. C'est la douceur que je peux trouver en lui, chez cette armoire à glace, moustachu. C'est fou, c'est fou. Enfin, de se rendre compte que cet homme a tout ça en lui, cette diversité, je trouve ça, voilà, ça, il y a de quoi tomber amoureux. The. Point SE. Point SE. On pourrait peut-être demander à Jean-Paul de nous parler de son effet Brassens personnel, parce que tu l'as rencontré. Oh, est-ce que je peux juste couper, juste pour terminer sur ce chapitre de féminiser les paroles. Est-ce que tu sais qui a féminisé les paroles du temps passé pour Juliette Gréco ? Est-ce que c'est Brassens lui-même ou est-ce que c'est Juliette Gréco ? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il lui a... On a prétendu qu'il avait écrit la chanson pour elle. Moi, j'ai vérifié, ce n'est pas le cas. Par contre, il lui a donné un jour... Il lui a donné le texte, donc elle en a fait ce qu'elle en a voulu. Et je pense que c'est elle, mais elle l'a certainement prévenu. Je veux dire, elle lui a pas fait la surprise. Sur le disque. Parce que Brassens était assez franc avec ce qu'il connaissait, ce qu'il rencontrait de ses interprètes. Je vous donne l'exemple de Barbara. Il n'aimait pas du tout la façon dont Barbara le chantait. Elle le savait, il lui avait dit. Et j'ai un document sonore assez étonnant de Barbara dans un concert à Grenoble, qui, à la fin de son concert, au moment des rappels, revient en scène et puis dit « Oh, je sais qu'il n'aime pas tellement la façon dont je chante ses chansons, mais moi, je l'aime et j'aime ses chansons. Je vais vous chanter une chanson de Georges Brassens. » Voilà. Mais attends, d'un côté... Évidemment, il avait été franc, il lui avait dit qu'elle n'aimait pas trop celle qu'on appelait à ce moment-là la chanteuse de minuit, qui chantait Brel et Brassens à l'Écluse. Mais en même temps, il l'a complètement aidé à faire progresser sa carrière de façon extraordinaire en la prenant en première partie à Bobino, parce que c'est lui qui choisissait ses premières parties. Donc, ça veut pas. Il était franc, il avait des rapports extrêmement francs, mais il n'interdisait rien, en fait. Il ne lui a jamais dit « arrête de chanter mes chansons ». Bon, ben, je crois que... Il est venu le temps de conclure. En tout cas, je vous remercie vraiment toutes et tous de votre participation. Je remercie votre présence. Je remercie aussi Sylvie Chenu et l'association ACE15 qui a donc activement participé à l'élaboration de ce programme, ce beau programme qui nous a permis de passer quelques instants autour de la pensée et l'œuvre de Georges Brassens. Et je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.